bon? Ouais. Pas bien. Donc, l'exercice 3, donc dans l'organigramme permettant de résoudre l'équation du second degré, ax au carré plus x plus c égale à 0. Normalement, c'est simple, d'accord? D'abord, la première, bon, on va corriger en forme d'exercice. Donc, la première action, c'est une action de lecture. Donc, on va d'abord lire les valeurs de A, B et C. D'accord? Si je prends le schéma, bon, on fait début, ensuite lire A, B, C. D'accord? On va j'amène une action de contrôle. D'accord? Une action de contrôle. Si je prends l'exemple précédent, on a une action de contrôle par rapport au X. Si X est supérieur à 0, non, donc on a deux chemins. Donc la même chose derrière, si A égale à 0, on prend le premier chemin. Sinon, si A est différent de 0, on prend le deuxième chemin. D'accord? Maintenant, une fois, si la condition est vérifiée, c'est-à-dire A égale à 0, on prend ce chemin. On a une deuxième action de contrôle. On va vérifier par rapport au B. Si B égale à 0, on prend le deuxième chemin. Si B est différent de 0, on prend ce chemin ici. D'accord? Pour le cas hallucinant, donc le deuxième chemin hallucinant par rapport au A, on va d'abord exécuter une action de calcul. Donc, ben, selon delta, si delta est inférieur à 0, donc c'est une action de contrôle, effectue cette action. Sinon, on prend le deuxième chemin. Le deuxième chemin, il y a deux cas. D'accord? C'est un point très important. Donc, si delta est inférieur à 0, c'est un chemin. Sinon, donc si cette condition n'est pas vérifiée, on va traiter ces deux chemins, ces deux cas. On va essayer de vérifier. Est-ce que delta égale à 0? Oui, on prend ce chemin. Sinon, on prend le deuxième chemin. D'accord? Bon, avec la solution. Donc, on commence par bon, début. Ensuite, on a une action de lecture. Donc, on récupère le A et le B et le C. Donc, on prend le A, le B et le C. Donc, lire A, B, C. D'accord? Ensuite, selon le A, avec la solution, si A égale à 0, allez, on prend ce chemin. Si A égale à 0, oui, la condition est vérifiée, on prend ce chemin. Oui, avec le chemin. C'est-à-dire, si A égale à 0, on vérifie la condition. D'accord? Avec le chemin. Si A égale à 0, on prend ce chemin. Faites le chemin, on a une autre réaction de contrôle. Allez, on va lui vérifier. Est-ce que B est différent de 0? Oui, on prend ce chemin. Sinon, on prend ce deuxième chemin. Maintenant, si B est différent de 0, si B est différent de 0, on a une action de calcul. D'accord? Si B est différent de 0, on a une action de calcul. Oui, B est différent de 0. Donc, x soit égal moins c divisé par c. L'action de calcul. D'accord? Et on a rajouté ensuite une action d'écriture. Une fois indiqué x, j'exécute une action d'écriture. Ensuite, une fois que je termine l'exécution, c'est-à-dire cette condition vérifiée, cette condition vérifiée, on a pris le chemin. Une fois d'écrire x, c'est bon. J'ai terminé l'exécution par le chemin. Bah, directement. D'accord. Maintenant, si b est différent de 0, donc on dit non. J'en ai b différent de 0. Une fois b différent de 0, je pense que, ou égal à 0. Parce qu'à là, on a b différent de 0. Non. Si on prend ce chemin, on a une action de contrôle. D'accord? On va effectuer une action de contrôle. Où je fais l'action de contrôle, PAC. Est-ce que c'est égal à 0? C'est oui. On va exécuter cette action. Sinon, on va exécuter cette action. C'est égal à 0? Oui. Et que directement infinité de solutions. Donc, on a deux chemins. D'accord? Donc, on a commencé maintenant. Lire A, B, C. Est-ce que A égale à 0? Oui, je prends ce chemin. Est-ce que B est différent de 0? Non, je prends ce chemin. Est-ce que c'est égal à 0? Oui, je prends ce chemin. Donc, on met l'exécution là directement. Enfin, c'est pour ça la dernière fois, avec une petite mise à jour le document. Donc, enfin, on peut avoir plusieurs flèches en entrée. D'accord? Par rapport à le symbole. Maintenant, si c'est égal à 0 ou bien non, c'est différent de 0, directement, on a traité le cas. Pas de solution dans R. C'est-à-dire A égale à 0, B égale à 0, et c'est différent de 0, donc il crée directement pas de solution dans R. D'accord? Maintenant, le point le plus important, c'est la partie. Maintenant, si A est différent de 0, c'est-à-dire A égale à 0, non, A est différent de 0, la première action, j'ai une action de, combien de fois, une action de calcul. Allez, je vais avec le calcul, avec delta. Ensuite, prochaine
Si delta inférieur à 0, si delta inférieur à 0, désolé parce qu'il y a des gens qui ont mis trop d'eau. Si delta est d'accord, je si delta inférieur à 0, c'est ça. Non, on prend le cas là. Sinon, on a commencé par ce cas. Si delta est supérieur à 0, d'accord. Si delta est supérieur à 0, d'accord, oui, on calcule x1, x2, ensuite x1, x2. C'est bon. Maintenant, c'est quoi la négation d'Ahadia? Si delta est supérieur à 0, on a pris le chemin, c'est bon. Mais c'est quoi la négation de delta supérieur à 0? C'est quoi la négation? C'est-à-dire le cata, non. Si tu as le cata, non. Delta supérieur à 0, on a pris le chemin. Le cata, non. Si tu as le cata, non. C'est quoi la négation de delta? Inférieur ou égal? Inférieur ou Inférieur ou égal? égal, Non, mais c'est inférieur. Inférieur ou égal? On a deux cas. C'est-à-dire, si je prends delta supérieur à 0, je prends ce chemin. Mais la négation, c'est quoi? On a le collecteur comme inférieur ou égal. Déjà, on a deux cas. Inférieur ou bien égal. D'accord? Donc, on prend deux chemins. Deux chemins, on a combien de cas? On a deux cas très bien. Maintenant, si delta est égal à 0, d'accord? Logiquement, on prend ce chemin, le calcul. X1 égale moins b divisé par 2a. Sinon, c'est quoi la négation de delta égale à 0? Aïe, chatan, c'est quoi la négation de delta égale à 0? C'est quoi la négation? Delta égale à Inférieur à zéro, monsieur. 0. Très bien. Inférieur à 0. Parce qu'il y a d'autres Inférieur. personnes. Justement, qu'il y a des gens qui disent non, c'est différent de 0. Non, c'est différent de 0. Parce que là, si on prend b, a égale à 0, c'est quoi la négation? C'est à différent de 0. C'est logique. Mais là, ce n'est pas la même chose. Parce que là, delta différent de 0. Très bien, delta différent de 0. Ou je mets un différent de 0. C'est-à-dire soit supérieur à 0, soit inférieur à 0. C'est ça, delta différent de 0. Un delta supérieur à 0, on a traité un en fait de chemin. D'accord? Donc, je crois qu'on a uniquement delta inférieur à 0. Alors, si je prends le A, là, le premier cas, A égale à 0, je prends ce chemin. Oui. Maintenant, c'est la négation, c'est quoi? A différent de 0. Je prends ce chemin. Où je mets A différent de 0. C'est-à-dire A soit supérieur à 0, soit inférieur à 0. Mais le plus important, c'est différent de 0. D'accord? Donc, soit supérieur à 0, soit inférieur à 0. Si je prends le cas de delta égale à 0, si je prends la négation, ou le nom, la négation, le nom, soit delta est supérieur à 0, soit delta inférieur à 0. Mais comme on a traité delta est supérieur à 0 en ailleurs, donc c'est forcément, il ne reste uniquement un seul cas, delta inférieur à 0. Delta inférieur à 0, pas de solution dans Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Des questions? Oui. Pas de questions? Très bien. Bon, la séance va être rapide. Une demi-heure, moi, que je vous libère. D'accord? Parce que c'est la première séance. Des questions, c'est bon, c'est clair? Monsieur. Donc, Monsieur. oui. Je Oui. peux intervenir. Je peux intervenir. Oui. Si on met pas de solution, ta delta est égale à 0 ou ta c est égale à 0, d'un bas, nous lions fait zouj l'écriture, l'ouahda. Oui, delta égale à 0, non, delta égale à 0, c'est-à-dire. Si delta égale à 0, nous écrire pas de solution dans R. Il y a qu'une neuf Oui. saf, c'est égal à 0. Il va déjà pas d'un bas, nous pouvons d'accord Pas dans la le même, la. justement, très bien, ça c'est très bien, ça c'est pas le même chemin, c'est pas le même اه chemin, gars. سي انا اللي بيقول لك سي ils sont مع الاخر راك نقدروا ليهم ليكريرا Très bien, mais ce n'est pas le même chemin. Parce qu'on a une condition différente. Non, on a la condition A égale à 0. On a pris le chemin. Un A différent de 0, c'est un autre chemin. D'accord. C'est vrai, c'est la même. On peut penser c'est le même résultat. Avant, non, c'est le même résultat. D'accord. Mais on laisse, ce n'est pas le même chemin. Ce n'est pas le même chemin. D'accord. Bon, je suis d'accord. On peut faire par exemple directement delta égale à 0. Non, on va lire directement la flèche. Mais oui, c'est correct. Hein. C'est correct. Hein. Ok. Oui, c'est Merci. correct. C'est correct. Oui, c'est correct. C'est maintenant le correct à quand? Il veut éliminer l'action d'écriture. Ou de directement la flèche maintenant. Oui, c'est correct. Hein. C'est la même chose. C'est correct. D'accord? Ok, merci. Parce que là, c'est le même affichage. Pas de solution dans R.
Sinon, à quatre cas de correct. D'accord? D'autres questions? D'autres questions? Monsieur, on se على الشابيتر هذاك اللي بعتونا ولا لا لا Je vais détailler avec rapidement. Il y a normalement, c'est la séance de cours. Normalement, c'est jeudi. Mais je vais Ah. détailler avec. Maintenant, c'est par rapport à l'organigramme. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux organigrammes? De toute façon, d'habitude, on ne vend pas des exercices, des examens ou des tests là, sur les organigrammes. Les organigrammes, c'est juste pour comprendre bien les algorithmes. Parce qu'il faut un algorithme, il est bien de le schématiser, d'accord? Avoir de la représentation graphique, d'accord? Sinon, d'habitude, on ne vend pas des exercices en examen ou des tests, le contrôle continu sur les organigrammes. C'est juste pour schématiser ou la représenter la solution avec une représentation graphique, d'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Bon, concernant cet exercice, parce que le premier exercice, le premier exercice, le premier, cet exercice, un exercice. Le deuxième exercice, j'ai mis les deux exercices pour la première séance, chapitre langage algorithmique, séance 1, via le campus virtuel. Donc, je vais faire une mise à jour à le même fichier. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai mis l'exercice 1 et l'exercice 2. La séance numéro 1, c'est-à-dire chapitre 3, langage algorithmique, séance 1. D'accord? Maintenant, je vais ajouter le même fichier, je vais ajouter la solution à l'exercice 3. Est-ce que c'est clair? Ok. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais en réalité l'exercice avec l'exercice 3. Je vais faire une mise à jour près le fichier. Le chapitre 3, d'accord? Le chapitre 3, le chapitre 3, langage algorithmique, séance numéro 1, d'accord? Donc, l'exercice, donc je vais faire une mise à jour, une mise à jour près le fichier. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais ajouter Oui. l'exercice 3 en fait, Oui. le fichier PDF. D'accord? D'accord. C'est bon? Très bien. Maintenant, donc, je vais détailler le cours d'hier. D'accord? Rapidement. Rapidement, pour avoir une idée sur le premier cours et le deuxième cours et même le troisième cours sont des cours importants. Donc, je vous dis le premier cours, le cours d'hier, ou bien le cours le mardi, ou bien dimanche prochain, c'est des cours importants. Alors, pour avoir le début sur le langage algorithmique. D'accord. Donc, je vais présenter maintenant le cours, le fichier PDF. Donc, je prends d'abord, avant de donner le premier cours, on a toujours l'algorithme. Donc, c'est quoi? C'est quoi l'algorithme représente quoi? En réalité, l'algorithme, c'est une étape intermédiaire entre le problème et le programme. Ou bien c'est une traduction à la solution en langage naturel, d'accord? Ou bien c'est une étape intermédiaire pour aller du problème au programme, d'accord? Maintenant, si je prends la solution en langage algorithmique ou là je prends la solution en langage naturel, mais qu'est-ce qu'une grande différence? D'accord? Si je prends la solution en langage naturel, on a trois actions à réaliser, lire la valeur du R, aller, lire R. On a une action de calcul, avec l'action de calcul. D'accord? On a une action d'écriture, écrire le livre A, écrire S. D'accord? Donc, si je prends la solution en langage naturel, les actions à réaliser sont entre le début et fin dans un langage algorithmique. D'accord? Dans un algorithme. Les actions à réaliser, le langage naturel, sont entre le début et fin dans un algorithme. D'accord? Oui, dans la dernière fois, on a détaillé, on a ajouté l'entête, d'accord? L'entête à l'algorithme. Plus on a déclaré les constantes, allez, si je prends cette la solution, comme constante, on a payé. Donc, on a ajouté les constantes, on a déclaré les constantes,
plus les variables. Si je prends les variables, j'ai un R et S. C'est les variables. On a déclaré les déclarations des variables. D'accord? Déclaration des variables. Ou la déclaration, c'est quoi? Par exemple, si je prends le Qatar, une variable, on déclare la variable plus le type. D'accord? Le R, c'est quoi le type? C'est logique, c'est réel. D'accord? Mais j'ai un entier ou le caractère, c'est un réel. D'accord? D'accord? Pour avoir une idée. Donc, si je prends un algorithme, c'est quoi un algorithme? C'est une solution avec un langage ou avec un syntaxe bien précis. D'accord? C'est la solution d'un problème. C'est la solution d'un problème. Donc, on en a un problème, le calcul de la surface d'un cercle. C'est la solution du langage d'un algorithme. C'est aussi une solution d'un programme. D'accord? Mais un langage, un syntaxe bien précis. D'accord? Parce que là, la syntaxe bien précise. Par la suite, on va traduire cette solution, parce que c'est une solution, en langage machine. D'accord? Ou logiquement, langage machine, est bien précise de la syntaxe. Pour que la machine comprenne la solution, on doit bien, ou bien on doit suivre une syntaxe bien précise. D'accord? C'est pour ça qu'on a début, fin, point. Donc, un point, c'est important dans un algorithme. Il le représente la fin d'un algorithme. D'accord? Une fois que la syntaxe, on peut traduire la solution en langage algorithmique en programme. D'accord? Donc là, c'est un point important. Donc, algorithme, c'est quoi? C'est une solution d'un problème. C'est le premier point. Et c'est la dernière étape avant d'avoir le programme ou bien la solution en langage ou machine. D'accord? Là, c'est le premier point. Pour avoir une issue, une idée globale sur un algorithme. Donc, on a par exemple un algorithme. C'est quoi un algorithme? C'est une solution. C'est une solution d'un problème. D'accord? Avec un syntaxe bien précis. Oui, c'est la dernière étape avant d'avoir la solution en langage machine. D'accord? Maintenant, si je prends maintenant l'algorithme, je pense à l'avoir fichier. Donc maintenant, si je prends un algorithme, bon, un algorithme, c'est un ensemble d'éléments. Donc le premier élément, c'est les mots réservés. Les mots réservés, c'est quoi? Si je prends l'algorithme, je vais changer comme mots réservés. Un des algorithmes, const, var, réel, de point, c'est quoi les mots réservés? C'est le dictionnaire. Parce qu'un algorithme, je parle un langage. Ou un langage, ou une langue, un dictionnaire. Donc le langage algorithmique, un dictionnaire. Donc, c'est quoi les dictionnaires? C'est l'ensemble des mots, c'est le vocabulaire. D'accord? Donc, pour les messieurs, si je prends algorithme ou circonférence, c'est un mot réservé. Et circonférence, bon, c'est pas un mot réservé. Parce qu'elle est là avec la couleur verte, c'est le mot réservé. La différence, c'est quoi? C'est que algorithme, soit un la solution telle, ou un étudiant, ou une autre personne, on doit utiliser le premier mot à utiliser dans un algorithme, c'est le mot algorithme. Maintenant, l'algorithme, si je veux déclarer des constantes, je dois utiliser const. Ou n'importe personne veut, par exemple, déclarer une constante, elle va utiliser le mot réservé const. Maintenant, une autre personne, elle veut, par exemple, déclarer une variable. Donc, elle doit utiliser le mot réservé. Voilà. Donc, quel que soit l'algorithme, on doit les utiliser. On veut déclarer variable, on doit utiliser le mot réservé variable. On veut par exemple réaliser un ensemble d'actions. Donc les actions commencent par début, ou comme avec fin. D'accord? Maintenant, je vais utiliser une variable de type réel, donc je dois utiliser le mot réservé réel. Par contre, on a déjà le mot si je pense circonférence. Circonférence, pensez le mot hep, circonférence. Je peux utiliser circonférence. Là, je ne vais pas utiliser, parce que circonférence, c'est quoi? Le mot, il représente quoi? C'est le nom de l'algorithme. Chaque algorithme a un document. D'accord? Donc, un appareil, donc j'ai utilisé cette conférence, un étudiant, je prends mon nom, je mets Mohamed, je mets Mohamed. Une autre personne, je mets section 10. D'accord? Donc, c'est presque comme étant une variable. D'accord? Par contre, quelle que soit la personne, on va rédiger un algorithme, on commence toujours avec le mot algorithme. Donc, c'est un mot réservé. Parmi les mots, les codes comme algorithme, point virgule. Donc, l'élément avec la couleur verte, c'est des mots réservés. Égal, point virgule, bar, réel, deux points, c'est des mots réservés. D'accord? C'est des mots réservés.
Bon, entre parenthèses, une personne posait une question, quand c'est quoi une flèche? La flèche, c'est une affectation. C'est-à-dire, en langage algorithmique, c'est égal 2 multiplié par P, par N. C'est-à-dire, si je prends le fichier, un PDF, ce fichier, on a utilisé égal, S égale P multiplié par R au carré. La solution en langage naturel, on a utilisé S égale, on la reçoit, R, P multiplié par R au carré. En langage algorithmique, ça doit être une affectation. D'accord? Une affectation. En langage algorithmique, on a utilisé une flèche. Comme je t'ai rappelé, déjà, les joueurs la solution, il comprend que elle est égale en langage naturel. En langage algorithmique, c'est une flèche. D'accord? Bon, on a déjà donc le PDF, le cours. Donc, c'est ça, c'est les mots réservés. Maintenant, le deuxième point, c'est les identificateurs. Allez, là, on compare pour le questionnaire. Les identificateurs, c'est quoi? C'est des mots. Ou bien c'est des lettres suite de caractères alphanumériques. Alphanumérique, t'as vu ce matin? Alphabet ou la numéro, d'accord? Des chiffres. Arqam ou la horof, d'accord? C'est-à-dire des lettres ou bien des chiffres. C'est des mots. Ou que tu as une vision, soit pour définir le nom d'un algorithme, on n'est pas comme un je peux utiliser circonférence, une autre personne, pour le moment, j'utilise étudiant, une autre personne, pour le je ne sais pas, j'utilise le mot Mohamed, etc. etc. D'accord? Donc, c'est le nom. Donc, c'est un identificateur. Donc, il change selon l'algorithme. D'accord? Ou là, selon les personnes. Par exemple, les noms. Donc, on a soit le nom de l'algorithme, c'est un identificateur. C'est un mot suivi de caractère alphanumérique. Il y a un alphanumérique. Alors, si je prends le X1, j'ai donné des exemples. X1, c'est un suivi de caractère alphanumérique. X est une lettre ou 1, c'est un chiffre. D'accord? Alors, on va changer alphanumérique. D'accord? D'accord? Alpha numérique. Donc, on a soit le nom de l'algorithme, soit les contents ou bien les valeurs. Parce que si je prends PI, un je fais PI, une autre personne prend comme nom. Un j'utilise P, une autre personne prend comme nom. Je prends P majuscule, une autre personne prend comme nom. Je prends P, I par exemple, etc. La même chose pour les variables. Un j'ai utilisé R pour le rayon. D'une autre personne pour le comment. Au lieu de R, je vais utiliser le mot rayon. Parce que c'est quoi un identificateur? C'est un mot. C'est quel mot? D'accord? Alphanumérique. D'accord? Donc, si je parle sur le nom de l'algorithme, ou les constantes, ou bien les variables, c'est les identificateurs. Identificateur, ou bien tout court, EDF. J'ai mis S, puisqu'il y en a c'est plusieurs identificateurs. D'accord? Donc, identificateur. Donc, soit j'utilise le mot EDF ou bien identificateur. Donc, on a trois cas. Soit le nom de l'algorithme, soit le nom d'une variable, soit le nom d'une constante. Et j'ai mis là, les symboles sont perpendiculaires. Donc, c'est les symboles. On peut utiliser uniquement les lettres A, B, C, D, etc. jusqu'à Z majuscule ou bien minuscule. Ou bien, je peux utiliser les chiffres. De 0 à 9, d'accord. Donc, là, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est quoi? C'est les valeurs. Donc, les valeurs, je peux pas considérer une valeur comme étant un mot réservé. Maintenant, j'ai utilisé 3,14, une autre personne, 3,15, etc. D'accord. Et je peux pas considérer une valeur comme étant un idéal, d'accord, comme étant un nom ou c'est ça, un nom. Là, si je prends idéal, c'est soit le nom d'un matériel. Soit le nom du variable, soit le nom du constant. Donc, les valeurs, je ne peux pas considérer une valeur comme étant un nom. D'accord? Et on va traiter bien à la séance. Pour les prochaines séances, on va traiter bien les différentes valeurs. Quatrième élément, c'est un élément très important d'un algorithme, c'est les expressions arithmétiques. Les expressions arithmétiques, donc, des expressions arithmétiques. Ou bien logique. D'accord? Bon, expression arithmétique, elle-même. Donc, d'accord? Si je prends maintenant 2 multiplié par P multiplié par N, c'est une expression arithmétique. D'accord?
ou bien expression logique. Bon, expression ou la booléen ou l'expression logique. À traiter le prochain PDF, d'accord? Donc, on a de faire de la science, on va traiter uniquement les expressions arithmétiques. La prochaine séance, on va traiter les expressions booléennes ou bien logiques. Déjà, on va apprendre en structure machine ou bien en algèbre. Ah, je pense en algèbre, oui, en algèbre. Ou bien les structures machines. D'accord? Maintenant, c'est quoi une expression arithmétique? Elle est E multiplié par P multiplié par R, c'est une expression arithmétique. Maintenant, bon, il y a un petit détail technique. Les IDF ou bien les valeurs, elles sont des expressions de base. Elles sont des expressions de base. Donc, c'est un IDF, soit pour un identificateur ou bien pour une expression de base. Une valeur, soit pour une valeur ou une expression de base. D'accord? C'est juste une définition par rapport à identificateur et valeur. Si je prends circonférence, c'est une expression de base. PI, c'est une expression de base. Or, c'est une expression de base. D'accord? Maintenant, les expressions arithmétiques, tu as fait un gars, tu as fait un etc. C'est quoi une expression arithmétique? Une expression. Une expression arithmétique, c'est quoi? C'est une combinaison d'expressions de base, soit identificateur, soit un identificateur ou bien plusieurs identificateurs, plus les opérateurs arithmétiques. D'accord? Où chacun a les opérateurs, addition, division, soustraction, multiplication, mode et elle doit détailler peut-être la prochaine séance. D'accord. Bon, qui de A mode B, il me donne le reste de la division de A par B. Allez, il y a le mode. Mais à détailler la prochaine séance de TD. A, qui de A plus B, je calcule la somme. A plus B, je calcule la somme. Qui de A mode B, prochaine D, je calcule le reste de la division de A par B. A par B. D'accord? Div, c'est quoi? C'est le quotient. Attendez, si je prends 5, je prends 5, allez, 5 modes de chaque. 5 modes de chaque. 5 modes de. Ah. Très bien. Si je divise 5 par 2, c'est 2, mais le reste, c'est quoi? C'est égal à quoi? Égal à 1. Donc le résultat à 5 moins 2, c'est 1. C'est LBRT. Maintenant, si je prends 5 div 2, c'est quoi le résultat? C'est le quotient. C'est Hassan Kassman. 5 div 2, Deux. Deux. le chiffre, c'est 2. Hassan Kassman. D'accord? Sans la partie entière. D'accord? D'accord? C'est 2. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc 5 div 2, c'est 2. Mais en détail, les prochaines séances de TD. D'accord? Donc, c'est quoi une expression arithmétique? C'est une combinaison entre expression de base, soit identificateur ou bien valeur, plus des opérateurs arithmétiques, addition, division, etc. D'accord? Exemple, A. Donc, c'est quoi A? C'est un EDF. On a, hop, donc c'est une combinaison d'expression de base. EDF, allez, EDF. C'est quoi A? C'est un EDF ou bien une expression de base. C'est quoi A? C'est un opérateur arithmétique. Deux, c'est quoi? C'est une valeur de type expression ou bien expression de base. Anna, c'est quoi? C'est la soustraction, donc opérateur arithmétique. C'est EDF, expression de base. Un opérateur, bon, le plus, donc c'est un opérateur arithmétique. Et le D, c'est quoi un EDF ou bien une expression de base? Anna, c'est quoi? C'est une combinaison d'expression de base EDF ou bien valeur, plus des opérateurs arithmétiques. D'accord? Anna, juste, on a détaillé, c'est quoi? Un EDF, c'est quoi une valeur, c'est quoi un opérateur arithmétique. Donc, allez, c'est la forme. Bon, on a des règles par rapport à l'expression arithmétique en langage algorithmique ou le langage machine. D'accord? On a des règles. D'accord? À prendre en considération. La première règle, un algorithme, EA, c'est quoi? C'est une expression arithmétique. EA, expression arithmétique. L'expression arithmétique doit être écrite sous forme linéaire. Donc, un moi, je vois forme linéaire. Ah, la forme linéaire. D'accord? Donc, la forme linéaire. Donc, au lieu de faire B au carré, on doit faire B fois B. Au lieu de faire 4AC ensuite de la forme, on doit faire 4AC divisé par B. D'accord? Donc, une forme linéaire. D'ailleurs, l'algorithme, on prend l'algorithme. Bon, la circonférence. Le deuxième, t'as le 4 à, le 4 à R au carré. Si je prends cet exemple. Maintenant, on a fait R au carré. Maintenant, on a fait R multiplié par R. D'accord?
Ok, donc. La forme linéaire. Ensuite, il y a un petit problème. Parce qu'on a la machine à mettre en même. Si on prend B, B. Alors, je comprends que B multiplié par B. Mais pour une machine, elle prend B, B comme étant un seul identificateur. D'accord? Donc, on doit ajouter entre B et B l'opérateur de la multiplication. Allez. Parce que le B et B, pour une machine, c'est un seul EDR. Parce qu'on a trouvé. Dans un problème, dans un algorithme, je peux utiliser B comme une variable d'une autre façon. J'utilise B, B. D'accord? Donc, quand la machine, elle peut considérer B, B comme étant un seul EDR, donc la solution, quoi? C'est ajouter l'opérateur de multiplication entre le B et le B. D'accord? La même chose pour 4AC, donc de moins 4 multiplié par A multiplié par C divisé par D'accord? Maintenant, c'est la première règle, c'est la forme linéaire. Classe. Deuxième point, c'est les priorités des opérateurs. Ta forme des priorités. D'accord? T'as les opérateurs. D'accord? Donc, si je prends la multiplication, est prioritaire par rapport à la soustraction, d'accord? Ou bien l'addition. Si je prends les parenthèses, sont prioritaires par rapport à la multiplication, la division, le modulus et aussi par rapport à la soustraction et l'addition. D'accord? Bon, alors je mets un moins plus l'addition, donc la même priorité. La même priorité. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, si je prends la multiplication et la division, on a la même priorité. D'accord? Mais les deux sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Et si je prends les parenthèses sont prioritaires par rapport à la multiplication, la division, le mode, le div, aussi l'addition et la soustraction. Maintenant, si j'ai deux opérateurs qui ont la même priorité, qui font le calcul, je commence de gauche à droite. De gauche vers la droite. Exemple, si on prend un exemple, un AB, etc. Donc, c'est des EDR et des valeurs. On a quatre opérateurs. Un, deux, trois, quatre, cinq opérateurs. Donc, dans les priorités. Donc, la multiplication est prioritaire, la multiplication est prioritaire, la multiplication est prioritaire et la division est. Division est prioritaire. Donc, si je prends division, multiplication, 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 on a la même priorité, Alex, la même priorité. D'accord. Maintenant, comment je règle le problème de la même priorité? On a la deuxième règle. Deux opérateurs avec la même priorité, donc on doit aller vu le calcul de gauche à droite. Donc, on va calculer d'abord cette multiplication. D'accord. Ensuite, deuxième point, on calcule cette multiplication. Ensuite, le résultat, d'ailleurs, le résultat multiplié par C. D'accord? Ensuite, le résultat, je le divise par B. D'accord? Et à la fin, je calcule la soustraction parce qu'elle est moins prioritaire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Les priorités, est-ce que c'est clair? Très bien. Très bien. Maintenant, l'évaluation d'une je mettrai la l'évaluation c'est la partie des expressions booléennes. C'est quoi une évaluation? C'est un calcul. Les expressions arithmétiques, c'est le calcul, c'est le résultat. D'accord? Évaluation, mettre la conche, évaluation de mots. C'est le résultat de cette expression arithmétique. C'est le résultat. Maintenant, une expression arithmétique, c'est un point très important. Le résultat, par rapport, c'est un nombre. D'accord? Le nombre rouge le compter. De deux types, soit un entier, soit un réel. Soit il fait partie de l'ensemble Z, soit il fait partie de l'ensemble R. Mais vers-moi bien deux points. C'est quoi l'évaluation d'une expression arithmétique? C'est le résultat. On a une expression arithmétique, donc l'évaluation, c'est le résultat. Ou toujours, une expression arithmétique, parfois, on a deux cas. Soit un entier, soit un réel. Bon, dans un langage algorithmique, c'est un nombre de type soit entier, soit réel. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien. Non, c'était juste un résumé par rapport le premier PDF, la première partie du cours d'intervention. D'accord? Donc, le mardi, non, je vais vous envoyer la deuxième partie, c'est les expressions booléennes. Avec le même principe, c'est-à-dire on va commencer. C'est quoi une expression booléenne? Donc, on va décrire une condition d'expression de base, etc. On va par la suite donner les règles, les priorités, etc.
R afin de l'évaluation d'une expression booléenne ou bien une expression logique. OK. Normalement, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, normalement, c'est bon pour cette première séance de TD. Des questions? Monsieur, à propos de questionnaire, Oui. c'est dû à minuit talion, alors Oui, à minuit. c'est le dernier jour, Lyon. C'est à minuit, aujourd'hui à minuit. Merci. Bon, il y a des. Bon, justement, je les commentaires. Je cherche les commentaires. Bon, on a donc les barres pour l'expression arithmétique, très bien. Booléen, loop, c'est pas la même chose. Booléen, c'est logique. D'accord? Et bien, le collecteur comme true or false, vrai ou faux. D'accord? De toute façon, on est en structure machine ou bien en algèbre. C'est des vérités. Table de vérité. D'accord? La porte est ouverte, la fenêtre est fermée, etc. Vous avez deux vérités. Vous allez traiter A et B, A ou B, etc. D'accord? Donc, booléen, bien logique, c'est une expression. Elle prend, très bien, algèbre. Elle prend soit vrai, soit faux. D'accord? D'accord? Façon, on va traiter les expressions booléennes la séance prochaine, le mardi, Inch'Allah. C'est ça. Très bien. Très bien. D'autres questions? Là, c'est bon. Monsieur, On peut faire le. monsieur, Oui. Bon, si je le commence. résultat d'une évaluation arithmétique Oui. appartient à R toujours. Non, soit on est pas déjà, soit un entier, soit un nombre. Selon Monsieur, les mais... expressions de base, ou bien c'est ça, selon, par exemple, 3 plus 2 égale à 5, donc 5 appartient à l'ensemble de Z, d'accord? Donc soit entier, Me soit appartient à Z et appartient un. à R en même temps. Mais bon, on prend en langage algorithmique, si elle appartient à Z, on considère que le nombre appartient à Z et non pas à R. Bon, c'est vrai, elle appartient à R, d'accord? Mais en langage, c'est un point très important. Hein. Soit intégré, c'est pas la même chose. D'accord? C'est pas la même chose. D'accord? Oui, c'est pas la même chose. Donc, il faut. C'est un point important. Donc, soit entier, d'accord? Soit arrière. Et on va traiter les actions de calcul, mazal. D'accord? Par exemple, si par exemple je déclare A, bien A comme étant entier. Et je déclare B comme étant réel. Remarque que A reçoit réel, une erreur. Parce que A est déclaré comme étant un entier et B est déclaré comme étant un réel. D'accord? Donc, si 5 plus 2 égale 7 appartient à l'ensemble de R, directement, le résultat est de type entier. Si elle appartient à l'ensemble de R, directement, l'ensemble de R. D'accord? Mais bon, c'est une remarque importante. D'accord? Mais toujours, un comme deux cas, soit entier, soit réel. Le résultat appartient à l'ensemble de Z, c'est bon, directement, c'est un entier. Bon, concernant un collègue, la différence entre le chiffre, bon, entre identificateur, entre identificateur et non. Si je prends le cas, Ada, c'est quoi? C'est un identificateur. Si je prends le cas, Ada, c'est un entier, ou est-ce un nombre? D'accord? Est-ce que c'est clair? Non, toujours pour l'alphanumérique, on doit commencer toujours par un caractère. Malgré que c'est un détail, hein. C'est un détail, mais bon, on commence toujours par un caractère. Une lettre, d'accord? Est-ce que c'est clair? Mais bon, c'est pas important. C'est pas important. Puisque vous allez traiter ce point, les TP, d'accord? Donc, now, si je prends le A1, c'est quoi? Regardez, c'est un idéal. Alpha numérique. Si je prends 14, c'est un entier. Si je prends 14,5, c'est un réel. D'accord? A1, c'est un identificateur. 14, c'est une valeur du type entier. 14,5, c'est une valeur de type entier. Parce qu'à la 1, 1, 1, c'est un EDR. C'est bon. 14, c'est valeur de type entier. D'accord? 14,5, valeur de type réel. C'est bon. C'est pas la même chose. D'accord? Maintenant, si je prends SQRADA, ADA non. ADA. On ne peut pas considérer, par exemple, un A.
Directement, on commence directement toujours. Un élève, on commence un élève par une lettre. D'accord? D'accord? On commence toujours un élève par une lettre. Mais pour moi, c'est un détail. Hein? D'accord? C'est juste un détail. Après, on considère. On met normalement un détail en. Est-ce que c'est clair? D'autres questions? Très bien. Très bien. Donc, inchallah, le mardi, comme la deuxième partie, d'accord, c'est les expressions booléennes. D'accord? Donc, normalement, c'est bon pour cette séance. D'accord? Ok. Ok. Merci.